Alors bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir un problème de parabole que j'ai rencontré. Donc je vous fais cette vidéo là, comme ça peut peut-être vous aider. Parce que moi ça m'a. Bon, moi je savais à peu près ce que c'était, donc. Mais bon, il y a peut-être des gens qui connaissent pas. Alors bah, ma parabole elle est là. Voilà. Alors ce que j'ai rencontré, c'est que j'avais plus du tout de télévision. C'était marqué défaut de signal. Là je suis en module satellite. Donc après ça marche aussi sur les boîtiers UHD de chez Orange ou chez Free ou d'autres fournisseurs d'accès. Après vous avez des boîtiers aussi à carte numérique câble, un truc comme ça. Donc en fait là on le voit bien. Voilà. Ce qui se passe là, c'est que je tourne la tête. Là, j'ai une fente là, ici là. Il y a quelques jours, il a plu beaucoup. Donc en fait, il était orienté comme ça vers le haut. Ça. Comme ça. Alors l'eau s'est infiltrée dedans. Ça a rempli du coup la tête à l'intérieur et ça a foutu toute la tête en défaut de masse. Donc en fait dedans il y a plusieurs il y a des petites connectiques. En fait ça fait comme des espèces de petites barres. Donc comme il y avait de l'eau, ça faisait un contact. Donc en fait au niveau de la parabole, j'avais plus du tout de connexion vu que les barres dedans s'étaient touchées. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté la tête avec ces vis là, ici là, là et là. J'ai démonté la tête, j'ai débranché le câble qui est ici et ensuite j'ai soufflé dedans avec un petit compresseur et j'ai séché avec un sèche-cheveux. Ensuite là vous ici vous mettez un tournevis ou un petit couteau. Faites attention de ne pas le casser quoi. Par contre, n'oubliez pas, c'est qu'ici il y a un joint noir, c'est un joint d'étanchéité. Après, bon, je l'ai remonté, je l'ai revissé ici, j'ai refait mon câble ici en dessous là. Là, bon, c'est un petit joint de. Bon, je vais pas le retirer, mais bon, j'ai refait la petite connectique, voilà. Par contre, vu que c'est fondu ici, bon là, pour l'instant, je fais une vidéo, mais je vais mettre une colle. Haute température qu'on utilise souvent pour les véhicules, pour les culasses. Donc en fait, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner comme ça. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais le mettre tout en bas. Comme ça, s'il pleut, la roue s'est pas fendue. Donc il n'y aura pas de comment dire, d'eau qui pourra rentrer une nouvelle fois. Donc voilà, maintenant j'ai. Bah parce qu'une tête comme ça, faut dire aussi que ça vaut entre 30 et 40 euros, c'est une simple. Une double vaut beaucoup plus cher. Donc en fait, moi ça m'a évité de racheter une tête. Un petit soufflage et puis c'était reparti. Ensuite, moi j'ai raccourci le fil parce qu'il était un peu trop long. Donc en fait, j'ai fait repasser ici. Donc voilà, bah aussi ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis un petit coup de voltmètre. J'ai défait mon câble ici, j'ai mis un petit coup de voltmètre là et j'ai chanté les câbles en bas pour savoir si ça venait pas de mon câble déjà. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à m'envoyer quelques questions, je vous répondrai. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et au revoir.